Oui. Eh bien, c'est normal. Je m'en doutais. L'arrêt brusque. Et vous trouvez ça normal? Je dirais même prévisible avec le cœur qu'elle avait. Vous la connaissiez? Oui. Je me disais aussi, j'ai vu cette tête-là quelque part. Et vous ne saviez pas qu'elle était cardiaque? Non. Elle était en sursis depuis des années. À la merci du premier incident. Un effort, un coup de froid. Si au lieu de brûler les pêcheurs, vous chauffiez vos églises, vous... Votre examen est terminé. Vous êtes pressé? Oui, j'ai une messe à 8h30 à Boissy. Je passerai au château avant le fils de 11h. Moi aussi, je devrais être à Boissy. Attirer le canard. Dites donc, vous allez donc chercher le chauffeur. Où c'est qu'il est? Vous voulez où qu'il soit? Derrière un verre, chez Marie Tatin. Si vous allez à Boissy, je peux vous y déposer. Et le permis d'inhumer? Bon, je passerai au château au début de l'après-midi. Je croyais avoir compris que vous étiez le médecin traitant de Madame de Saint-Fiacre. Oui, et alors? Alors, vous ne pensez pas que la correction la plus élémentaire serait de... Vous retrouverez vos canards à la passée du soir. C'est pas la question. Alors, cet Albert, il vient, oui ou non? Alors, ça y est, vous l'avez trouvé, cet appartement, vous déménagez? On m'a fait comprendre que la décence voulait que je m'éloigne. Je m'éloigne? Bravo. Mais ne confondons pas décence et imprudence, des pas et fuite. Ne vous éloignez pas trop, j'aurai sûrement des questions à vous poser, hein. Maître Moléon, il répondra pour moi. Il arrive ce soir. Eh ben, il tombe bien. Demandez-lui non de venir au château à 7h, vous aurez peut-être besoin de lui. Je n'ai aucune raison d'aller au château à 7h. Aucune raison de vous obéir. À quel titre, d'ailleurs? Vous avez un genre qui ne me plaît pas, Lulu, mais qui pourrait plaire au juge d'instruction. C'est pourquoi je vous conseille de mettre votre avocat en veilleuse et votre montre à l'heure. Je me suis réconcilié avec l'Église. En tout cas, avec le clergé, c'est un début. Je pensais que vous seriez des nôtres. La messe a été célébrée pour le repos de l'âme de ma mère. Je l'ignorais. Je n'avais pas occupé le banc des Saint-Fiacre depuis les obsèques de mon père. Monsieur l'abbé a prononcé un éloge de grand style. Marie Tatin y est allée de sa larme. J'avoue que moi-même, privé depuis longtemps de spectacles édifiants, on ne sort pas assez à Paris. Direction Moulins, ça ne vous intéresse pas? Non, pas pour l'instant. J'ai fait une annonce hier pendant l'office. Ah, je ne vous reproche rien, monsieur le curé. Je viens au contraire. Si vous voulez bien m'accorder quelques instants, vous demandez votre aide. C'est que j'ai le catéchisme de persévérance dans 5 minutes. Je ne vous demanderai pas davantage. Voyez-vous, monsieur le curé, j'ai réfléchi. Je ne peux pas dire si madame de Saint-Fiacre a lu ou non la nouvelle de la mort de son fils, mais je suis sûr d'une chose. Si elle a été tuée, c'est ici que ça s'est passé. C'est impossible. Eh oui, impossible, c'est ce que je m'étais dit, puis j'y repensais. Monsieur le curé, les arrêts du cœur sont une des formes les plus grandes d'accidents sur la voie publique. J'en ai connu des dizaines, ils ont tous ceci de particulier. Les victimes conservent l'expression dans laquelle la mort les surprend. Vous avez des morts pensifs, vous avez des morts rigolards, excusez-moi, et vous avez des morts effrayés. Vous vous souvenez de son regard? Oui, oui. Alors je vais vous demander de m'accompagner dans votre église. Nous allons tous les deux, si vous le voulez bien, essayer de venir. Nous allons essayer quoi? De reconstituer le crime. Et veuillez ne pas oublier que ce lieu est consacré. Oh, mais je n'oublie rien. Ni le lieu où nous sommes, ni qu'une femme y est morte dans des circonstances criminelles. Dites-moi ce que je dois faire. Bon, vous allez reprendre la place que vous aviez hier au moment de l'imposition des cendres.
Voyons, madame de Saint-Fiacre se tenait à peu près ici. Le sacristain était là et l'enfant de mon cœur... À mon côté? Bien. Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, de répéter les gestes et les paroles. Je dis bien tous les gestes et toutes les paroles. Elles sont rituelles, memento mori capillibus est, et in pulvirem reverteris. Quelle expression avait-elle à ce moment-là? Apaisée, sereine. Donc elle ne savait pas encore. Et il reste 30 secondes. 30 secondes à peine. Le missel. Excusez-moi, monsieur le curé, il faut que je retourne au château. Mais le missel... Quoi? C'est moi qui l'ai ramassé. Je l'ai rangé dans le placard de la sacristie. Je range toujours ici les missels oubliés. Je l'y ai mis, j'en suis sûr. Vous n'avez pas vu le missel de madame la comtesse? Ah non, j'ai rien vu, moi. Vous ne l'avez pas emporté chez vous sans faire attention? Certainement pas. Voulez-vous quand même aller voir? Je m'en souviendrai. Enfin, pas acquis de conscience. Allez, non, voir aussi, vous. Voir quoi? Au presbytère, si j'y suis. Hé, bonhomme. Comment t'appelles-tu? Ernest. Ernest comment? Ernest Bouffard. Bouffard, attendons un peu. Et maréchal Ferrand. C'est mon pépé. Ah, tu vois. Tu sais que moi aussi, j'étais enfant de cœur. Parfaitement, et ici même. Et j'ai servi l'office des centres comme toi. Tiens, je me souviens qu'après la messe basse, en attendant l'office, on restait à déjeuner chez monsieur le curé, ça se fait-il toujours. Et je peux même te dire ton menu d'hier, un œuf à la coque, un bol de café au lait et un morceau de gruyère. C'est-il vrai ou pas? C'était pas du gruyère, c'était du brie. Ah, bah c'est changé. Tiens, je me souviens aussi que c'est là-dedans qu'on chipait le vin de messe. Ah! Hein? Et puis c'est là-dedans qu'on prenait le missel de monsieur le curé pour le regarder en cachette. Tu sais, celui qui a les lettres rouges et puis les airs de musique. Est-ce que sur celui de madame la comtesse, il y a aussi des lettres en couleur? Tiens, on va faire une affaire tous les deux. Je te paye un missel tout neuf, un gros tout doré, en français, en latin, avec des dessins et des musiques, et tu me rends l'autre. C'est pas moi qui l'ai pris. Bien sûr que non, tu l'as pas pris. C'est bon, comme tu t'es amusé à le regarder, puis t'as eu peur qu'on t'attrape. Alors tu l'as mis de côté. Attends, ne me dis rien parce que ça serait pas le jeu. Tu vas simplement me guider et me dire si je brûle. Ah. Je brûle, là? Non. Je gèle, alors. Ah. Je ne sais pas si je brûle, mais j'ai l'impression que ça se réchauffe par ici. Qu'est-ce que t'en dis? Hein? Allez, on va. Allez. Alors, je brûle, là. Je brûle. C'est bouillant. Ah. Je grille. Alors, voilà, je l'ai trouvé. Grâce à Ernest. Vous connaissez la page? Mon Dieu.